Après qu'on finit apprendre concernant la qualité négative de l'insan, on fait une cause concernant le type de l'insan, la qualité du monde qui est là. Inch'Allah, pour aujourd'hui, on va apprendre concernant la jolie qualité que Allah subhanahu wa ta'ala les commandants de l'insan. La jolie qualité que Allah subhanahu wa ta'ala les commandants de l'insan. Il y a certaines qualités qui, s'il est présent dans les guerres un croyant, ça, les guerres là, les vignes et les guerres, que, il y en a un contentement. Et les guerres qui font good, ça veut le iman. Allah subhanahu wa ta'ala dit, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah subhanahu wa ta'ala, pour amin mandimoun, qui Allah vous compte en jeu, et aussi sa mamboula, je vous compte en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vous amène mandimoun, qui vous compte en Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi en retour, Allah vous compte en sa mandimoula. L'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est bien important. C'est une petite chose qui est bien présente dans l'église à chaque croyant. Ça même qui vous aide nous pour nous faire une bonne action. Ça même qui vous rapproche nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même qui nous crée ça la prière, ça taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala dans l'église là, c'est comme finir l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. الله سبحانه وتعالى جل سورة بقرة آيات 165 والذين آمنوا أشد حبا لله بعدنا إيمان زد لاموك والله سبحانه وتعالى أروس زد لاموك والله سبحانه وتعالى لبلسكي توكيتسوز زد لاموك والله سبحانه وتعالى لبلسكي توكيتسوز كينا لسالمون لا لاموك الله سمين بخمي كيتسوز كينا لزد لكيه Je compte à Allah subhanahu wa ta'ala plus que madame, plus que les enfants, plus que maman, plus que papa, plus que frère, plus que sœur, plus que travail, plus que mon plaisir, mon jouissance qui est là, dans la terre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui trouve dans Bukhari et Muslim. Thalathum man kunna fihi wajadna bihinna halawat al-iman. Trois petites choses sont présentes dans les dîmons. Ces dîmons-là, les goûts savent et les imams. Premier, « En yakoun Allah wa rasouluhu ahabba ilayhi mimma siwa'uma » Ces dîmons-là, les comptent Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam plus qu'ils ont tout. Ces dîmons-là, les comptent Allah subhanahu wa ta'ala les fait l'amour pour Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam même ça même l'amour qui plie fort de se l'écrire. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait vous connaître le Coran. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا Allah me dit à ses autres papas, aux autres mêmes garçons, aux autres frères, aux autres madames, aux autres familles, aux autres dix biens qu'ils ont fini ramasser, aux autres commerces qu'ils ont aînés, qu'ils ont payés, tant chaud, les faire faillite. Moi, ma sœur qui nous donne pas honneur, et ma place qu'ils ont commutée, aux autres restes à ma place-là. Ahabba ilaykum min Allahi wa Rasouli. C'est un démon, les commandants, son papa,
Il contient son garçon, son frère, son madame, son famille. Pour soi, il contient son business, qu'il est perdu dans son business, là, fait faillite. Il contient son place pour liberté. Il contient tout ça, manque de choses là. Tout ça, manque de choses là, mais plus cher à lui. Qui Allah et son Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, wa jihad et puis sa ville. Et jihad, le chemin Allah, dit qu'il Allah dit, fada rabbasu hatta yati Allah bi amri. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit à sa mère, attends, hatta yati Allah bi amri, jusqu'à Allah son décision tombe. Jusqu'à Allah son nom descend. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, Allah pagid. Ban dimoun qui fasse, ban dimoun qui rebelle, ban dimoun qui désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça ayat là, et montrez-nous qui est un musulman, un dimoun qui n'a iman, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, les besoins plus que l'amour qui se tout. L'amour Allah subhanahu wa ta'ala, les besoins est l'amour qui plus qu'ils ont tout. Quand nous guettons le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand nous guettons ce sahaba, vous trouvez que ce bâtiment-là, dont il compte en Allah, dont il compte en Allah subhanahu wa ta'ala, plus qu'ils ont même. Ils ont offert eux-mêmes à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fait la guerre de chemin à Allah subhanahu wa ta'ala. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce sahaba, de faire mettre de la vie en péril à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va dire mon là, et là même qu'il fait une dépense sur la raison, juste par l'amour qu'il y en a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va dire mon là, je fais remplir ce contrat, je fais respecter la promesse qu'il fait faire à Allah subhanahu wa ta'ala. Anas ibn al-Nadir, compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les tirades de bataille belle. Première bataille qui tient dans l'islam, sa sahabi là, il fait une rate sa bataille. Mais il parle de ses participes de sa bataille. Et l'insagrin, il s'en va dire là. Il s'en va dire là, qui qualité de tchéti. Il fait une rate une bataille, il parle de ses participes, et pourtant dans sa bataille là, et la sens qu'il s'en va dire là, il perdit sur la vie là. Et la sens qu'il est mort. Sa dire là, il rate une bataille, sa sahabi là, l'insagrin. Et lui dire, je vais finir la première bataille de l'islam, pour me rester, pour participer ensemble avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais si Allah donne-moi permission, mais si Allah garde-moi vivant, si mon récit témoigne une autre bataille avec Allah, avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous montrer Allah qui est capable de faire. Et ça sera Allah qui parle de dire. Je vais rater une première bataille de l'islam, je vais me rater. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala donne-moi capacité, qui Allah les garde-moi vivant, si Allah fait-moi témoigner une autre bataille ensemble avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour vous montrer Allah qui est capable de faire. Et effectivement, sa sahabi là, il fait témoigner bataille de Uhud, déjà une bataille qui tient dans l'islam, et ça, il mourra, il joue lui. Et il demande lui, pendant qu'il libère la guerre face à l'ennemi. Les Belagiers avec tout ce bravoure. Et les Belagiers bien dur. Alors, Saad ibn Mu'adh, j'ai dit à Abu Amr, écoute bien aller. Écoute bien aller. Il dit allez, laisse-moi. Vous pouvez sentir, vous pouvez gagner pour enfin paradis. Vous pouvez gagner pour enfin paradis, laisse-moi. Et Saad ibn Mu'adh, ce sahabi là, Anas ibn. Un nadir, qui les fait faire, les fait la guerre, les fait mort comme chahid, et les fait finir mort, alors Mandimoun fait trouver le lit 80. Mandimoun fait trouver 80 morts. Morts, l'épée, le lit. L'autre sur les cours. 80 morts, Mandimoun fait trouver. 80 morts, l'épée et flèche, l'autre sur les cours. Et si dans les fait être mutilé, qui personne ne reconnaît lui, excepté ce CIR. Excepté ce CIR, et ça, c'est pour moi qu'il reconnaît lui à travers ce l'index. Pour moi qu'il reconnaît lui à travers ce l'index. Et après qu'il est fini comme Shahid,
Allah subhanahu wa ta'ala révèle sa ayat là à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Min al-mu'minin rijal sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Parmi les croyants, il y a des rijal, il y a des hommes qui veulent être véridiques envers les promesses qui veulent prendre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des final, la guerre chemin Allah subhanahu wa ta'ala, je bats tous les deux. Quand je trouve l'ennemi, je bats tous les deux, je bats père, je bats avec toute la case, non. Je fais respecter cette promesse, je l'engagement que je fais prendre à Allah subhanahu wa ta'ala, à la dire, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَ وَنَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّغَيُ. Et là, qui fait fini, respecter son engagement. Mais il fait le mot comme shahid. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّغَيُ. Et là, qui peut atteindre. Et là, parmi les sahabas qui peut atteindre ce moment-là. Quand il fait le mot comme shahid. Et ça va nous dire, là, comment tu peux dire Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, c'était un plaisir pour moi de chemin Allah. Je ne sais pas si tu es un tracas à venir là, je ne sais pas si tu es un tracas pour quitter madame, pour quitter son enfant, pour aller, non. Ça va me dire, là, ça va me sahaba là, que je suis rentré au champ de bataille, je tiens à sa désir là. L'ennemi qui utilise ce mot comme shahid. Qui fait? Parce que je suis content, Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis content, Allah, je suis content, sa dîme là. Et Allah dit, ouais, mais avec d'elle, vous te dis là, et jamais je suis censé. Jamais je suis changé, mais dire ça va dire que je suis respecté, je suis engagement, je suis prêt à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous ne sommes pas capables de comprendre ça va dire que ça va dire que ça va dire avec Mandimoun de nos jours. Avec Mandimoun qui nous est là de nos jours, avec musulmans qui nous est là de nos jours. Qu'est-ce que ça va dire que c'est l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre qualité. D'accord, ça même que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, qui est meilleure génération dans sa combat là, c'est sa première génération là. Génération de mon sahaba, ban qui t'y compte Allah subhanahu wa ta'ala un vrai amour. Ban qui t'y compte pour se sacrifier de la vie pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fitroub Mus'ab bin Umair, les séparés un lutte shahid de Badr Uhud. Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui trouve Mus'ab bin Umair. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui trouve lui, le fait de mettre, tiens à l'olé, la peau cabri. C'est-à-dire comme vêtement, le tiens à la peau cabri. Et pas si n'a aucun les autres vêtements, l'olé, pas si n'a aucun les autres linges, l'olé. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'est-ce que ça dit mon là, qu'est-ce que ça m'y chèque? Qui Allah subhanahu wa ta'ala qui dans son équipe, Allah subhanahu wa ta'ala les fait mettre son lumière de l'iman. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, vous rappelle que vous faites trouver Umair, Mus'ab bin Umair avec son parent. Peut-être, si nous ne connaissons pas Mus'ab bin Umair, il est sorti d'une famille bien riche. Mus'ab bin Umair, dans ma cas, avant d'accepter l'islam, il était un dimon bien riche. Mais il même dans le plus joli linge qui est là. Mais il mange dans le plus bon manger qui est là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, vous trouvez-le, il dit, avec ses parents, les il mange dans le plus bon manger. Mais il même dans le plus joli linge. Mais sur l'amour pour Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait dans le alors on dit, linge du pénin. Aujourd'hui, les pénales de misère pouvaient lui-même avec la peau cabri. Ça montre nous. Donc, ça va dire que ça va dire que ça va de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu étais? Dans quel extrême de tu accepté pour aller juste pour gagner l'amour Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, l'amour pour Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas juste pour la langue. Parce qu'il n'y a pas de musulman qui nous demande tu comptes à Allah, oui, je vous dis que je compte à Allah. Tu comptes à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, oui, je compte à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça même dit qu'il veut dire, il compte à Allah, il compte à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'eau la langue, quand nous guettons sur une action qu'il fait, il est en contradiction, c'est que sur la langue, veut dire. Il dit qu'il compte à Allah, il compte à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça même dit qu'il peut faire quelque chose qui Allah et son Rasul fait défendre. Quelque chose qui Allah et son Rasul pas fini enseigner, sans même le faire. Quelque chose qui Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait ordonner, ça ne va pas vous faire.
Et ces mêmes démons, quand ils demandent, ils vous disent, oui, beaucoup de Allah, oui, beaucoup de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas radiallahu anhu va raconter que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pensez-lui qui me roule de son armée, alors un parmi eux n'est pas pour vivre un vrai croyant. Son iman n'est pas pour complète. حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تارك مبام بليش يا علي. تارك اللي بات مدامو بليش كي سو بابا بليش كي سو زامفان وبليش كي تجيمون. L'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour qui tout musulman obligé. C'est pas une choix ça. Si mon avis me commentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si mon avis me commentait, non. C'est une obligation. C'est une obligation être musulman jusqu'à même les misères qu'on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'il lui-même. Plus qu'il est qu'on dit lui. Sinon, ça dit mon là, son iman pas complète. Dans ma cas, comme on l'a dit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je fais prendre Zayd ibn al-Dathna. Et je suis envie de lui. Je n'arrête pas, je t'ai envie que tu y lis. Alors je te demande Zayd, est-ce qu'il te préfère à ce temps-là que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de ta place et toi te libre, te parmi de ma famille? Est-ce qu'il te dit content, c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui nous arrête là, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui nous permet de tuer là, et toi te libre, te parmi de ma famille? Vite Zayd qui dit. Mon papa commenta que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'y est affecté même par un piquant. Et tandis que moi, je ne lis pas pour le monde. Et ça m'a dit sahaba, là, comment je suis commenté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement je suis commenté Allah, mais aussi je suis commenté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne parti pas si aucun dito de tout ça, prophète-là. Même un piquant, je ne pas voulu. Et tous ces prophètes-là, les plus que ces prophètes-là. Je suis content que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être content de sur la langue. Je suis prouvé à travers une action que je vais faire, je vais prouver de l'amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils m'ont les contents Allah subhanahu wa ta'ala, en retour, Allah content lui. Allah Kumuta Sajimullah. Allah subhanahu wa ta'ala aide Sajimullah pour vivre de son obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala les supporte Sajimullah. Allah donne lui tout ce qu'il lui disait de Sajimullah. Et pour gagner l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah même peut enseigner nous le Coran. Qui nous a fait pour nous gagner l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala? قل إن كنتم تحبون الله جاسي بريموس كونت الله فاتبعوني سويب مو سيداتي للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله أن ريتو الله كونت أنسوك دونك سي مو أنفي أن بارمي من موين كي إدا بنو غي لامو بو الله سبحانه وتعالى سيسويب للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم كون بسويب للبروفيت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une loi pour faire telle action, mon frère. Le prophète, si vous voulez faire telle chose, mon frère, comme on peut suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en retour, Allah subhanahu wa ta'ala peut compter à moi. Allah peut compter à moi, voyagez-vous là où nous venons au. Et Allah peut pardonner moi pour mal péché. Donc, on peut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne pouvez pas payer les temps, vous ne pouvez pas gaspiller l'énergie, mais au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala a fait compte à moi et Allah me pardonne moi pour mon péché. Concernant ma qualité encore qui Allah subhanahu wa ta'ala est compte à un croyant, verset premier, Allah compte à un démon et à l'amour de son équerre pour Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la qualité qui Allah subhanahu wa ta'ala a compte à l'insan, Wallahu yuhibbu sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala compte un bandit qui n'a pas chance. Prends pas chance,
Surtout dans le moment de difficulté dans lequel nous suivons, il frappe nous même quelque chose facile ça. Il est facile pour nous dire, il dit, nous ne prenons pas chance. Mais quand nous arrivons dans cette situation-là, dans cette musulmane-là, dans cette difficulté-là, les là nous comprenons, les là nous connaissons vraiment, Pierre Pelle ne prend pas chance. Prends pas chance de dire, moi accepter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait décréter. Bon, moi, j'ai aucune parole déplacée concernant Allah. Allah n'existe pas tout seul pour les dépenses à musulmane-là. Il ne fallait pas qu'il y ait un démon, il dit, ma parole déplacée concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Les montrer qu'il n'est pas mécontent ce qui peut arriver, c'est le mal qui peut arriver là. Ça me suis bête qui me frappe là. Mais il y a des gens qui ne prend pas chance. Il a le contrôle de lui-même. Il n'est pas dire une parole qui va viser. Il a accepté ce qui peut arriver. Moi, il a fini de traiter sa petite chose là. Allah content sa qualité du monde là. Une autre qualité encore qui Allah est content d'un insan. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص سورة 61 آية 4 الله dit certainement Allah compte avant qu'il agisse dans ce chemin صفا en rangée كأنهم بنيان مرصوص comme à dire c'est une structure solide. Allah subhanahu wa ta'ala est par une action qui Allah compte quand il dit qu'il fait cette action là. Ça, il y a même l'amour, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est faire jihad. La guerre de chemin, Allah subhanahu wa ta'ala, contre l'ennemi, contre le kafir, malgré le refaire du tout l'islam, le refaire du tout le musulman, Allah m'a dit qu'il la guerre de ce chemin. Comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître, qui est le fond de sahabi, demande-lui, ayu la amali ahabbu ila Allah. Qui action qui a l'appelé m'a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est la salatu ala waqtiha. Damas qui fait le soleil, sahabi l'a dit, thumma ay, ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, birr al-walidain, agir bien envers parents. Sahabi l'a dit, thumma ay, ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, al-jihad fi sabilillah, la guerre de chemin Allah, c'est une action qui Allah content, qui Allah subhanahu wa ta'ala est content. Qui fait? Parce que ça dit, il peut exposer son avis, ça dit, il peut accepter les mots. À cause Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qui Allah subhanahu wa ta'ala se dit de faire victoire. Pour qui les musulmans faire victoire, l'homme kafir. Et l'autre qualité qui Allah subhanahu wa ta'ala compte dans l'insan, c'est la justice. Allah subhanahu wa ta'ala compte dans la justice. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Allah dit être juste, ça le plus près à taqwa, à la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elle va une qualité qui est malheureuse pour nous dire, qui souvent les fois nous ne pouvons pas trouver dans une salle, c'est la justice. Souvent les fois, quand on peut dire avec un petit monde, nous ne pouvons pas faire la justice. Par exemple, un exemple qui est bien simple, en tant qu'un parent de la case, en tant qu'un papa, si nous avons un enfant, combien parents, les deux préférences, un enfant ou un autre, nous pas faire la justice. Les comptes à un enfant, les donnent préférence à un enfant loin de l'autre. Ça, c'est pas appelé la justice. La justice, c'est un parent, les comptes à tous les enfants. Et aussi, dans les autres façons encore, donc, un dimanche, il ne fallait pas qu'il n'ait pas fait la justice. Une autre qualité encore, qui Allah subhanahu wa ta'ala compte, Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah compte un dimanche qui place pour lui. Ben, qui place votre confiance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Place confiance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout dans le moment de difficulté, dans le moment de problème dans mon avis, on place mon confiance pour Allah. Ce qu'Allah a décidé, ça même pour arriver. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ce qui est bon. Place mon confiance pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une qualité qui Allah subhanahu wa ta'ala compte. Et non pas de place de confiance dans ma créature, Allah. Place confiance dans l'insan. Non. Un musulman, un celui qui voulait, qui Allah subhanahu wa ta'ala compte en lui, alors le bizarre, il y a sa bonne qualité qui Allah compte en là, et en retour Allah pour compte en lui, et c'est le place de confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala.
Et l'autre qualité que Allah subhanahu wa ta'ala compta, comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah compta un dimon qui fait un travail qui fait à la perfection. Quand un dimon fait un travail, il fait un travail à bien. Allah subhanahu wa ta'ala le compta sa qualité dimon là. Et l'autre qualité encore que Allah subhanahu wa ta'ala compta, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah compta un dimon qui fait un tawba qui retourne. Allah subhanahu wa ta'ala compte. Au contraire, ça dit là, il commet une désobéissance. Il désobéit à Allah. Ça dit que là, il fait un tawba, Allah compte. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il donne nous l'exemple. Comment Allah le compte? Qui quantité Allah compte quand un démon le fait un tawba? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah plie compte un tawba. Un dimon qui fait commettre un erreur, le fait faire tauba, qui un dimon qui lui a désiré sa dimon là, et un chameau avec lui, et l'eau sur mon tueur, et l'eau sur mon tueur, et dans ma provision se manger ce porc. Sa dimon là, le fait, ce chameau fait égaré. Il perdit ce chameau. Il perdit ce chameau. Imagine-nous. Non seulement qu'il est perdu, il mon Dieu se mordait ce bol ou sa chamoula, il perdit sa chamoula. Mais moi, c'est de prendre la peine. Et ça, ce monde-là, il est déçu, il est assis dans le bras, il est assis dans mes pieds. Quand, soudainement, un seul coup de sa chamoula, il trouve chamoula devant lui. Sa chamoula, il trouve chamoula devant lui. Quelle qualité sa chamoula, il est beaucoup plus temps. De désir, il peut manger, il peut boire, il peut dire son moutier, c'est un grand la pire. Ça dit mon lèvre, c'est le coup de trouve chamoula devant lui. Quelle qualité ça dit mon lèvre pour combattre? Allah subhanahu wa ta'ala se combattre en mon cœur. Un dimon, il fait un tauba, il est plus que ça dit mon qui fait perdre ce chameau après il regagne. Et ça dit mon lèvre, si dans les combattants, il dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, Oh Allah, tu es le Dieu et moi, je te rends. Et j'ai avec Allah subhanahu wa ta'ala, Oh Allah, toi tu es le Dieu et moi qui rends. Mais j'ai dit que cette parole-là, dans un moment de contentement, dans un moment de joie. Il m'a dit ça par exprès. Une parole qui est la chirque là-dedans, il m'a dit ça par exprès, ça dit mon là. Il dit ça dans un moment de contentement. Si tant ça dit mon là, il est content. Il regagne ce chapeau, qu'il vient dire sa parole-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, les comptes quand un dimon retourne vers lui. Donc il ne fallait pas nous gagner comptes pour nous demander à Allah pardon. Il ne fallait pas nous gagner comptes pour nous demander à Allah pardon, nous avons commis trop beaucoup de péchés. Allah va vous pardonner, moi non. Connais qui Allah subhanahu wa ta'ala content quand un dimon retourne vers lui. Qui fait Allah content? Parce que quand un dimon retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tauba. Qui est chose qui pousse un dimon pour faire tauba? Quelque chose qui pousse un démon pour faire des repas, c'est le regret, le chagrin. Il commet une désobéissance, le chagrin. Et ça, le regret-là pousse lui pour lui lever sur la main, il fait des repas, il demande à Allah pardon. Donc, un démon, quand il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, il fait des repas, Allah subhanahu wa ta'ala, content. Content, ce démon-là, il reconnaît ce derrière. Il reconnaît. Il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah compte à sa dimon là et Allah pardonne. S'il est sincère, Allah pardonne. Une autre qualité encore que Allah subhanahu wa ta'ala compte, Inna Allah yuhibbu al-muttaqin. Allah compte à un dimon qui a vraie la frayeur pour lui. Pas un dimon qui dit la langue, j'aime au Père Allah. N'importe qui musulman lui demande au Père Allah, dit vous dites non, pas Père Allah, au Père Allah. Ça même dimon qui lui bédia le Père Allah. Quand on regarde une action qu'il est fière, comme traduction, c'est qui est sur la langue bédia. Mais un dimon qui n'a vrai la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire vrai ta foi? Et la frayeur qui fait un dimon prend compte. Ce dimon-là, il vit avec sa conscience-là chaque seconde, chaque instant de la vie. Qui conscience? Qui Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver? Qui Allah peut donner? Qui Allah subhanahu wa ta'ala ait la connaissance concernant tout ce qu'il peut faire. Un démon qui les vive avec sa conscience-là, ça pour créer la frayeur de se requérir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les beaux pères pour désobéir à Allah, Allah peut trouver.
Allah m'est tendé. Allah connaît qui m'a fait. Ça, la frayeur là, les prophètes et les mondes sur la vie. Les villes de Baouya ont lié avec la désobéissance et les rapprocheraient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, des mondes qui viennent rester. Ben, des mondes qui viennent rester. Quelle est sa vraie la frayeur là? Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce que ça va être qualité? Une autre qualité encore qui Allah compte, Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Allah compte ban muhsin ban qui fait bon action. Ban qui compte fait bon action, Allah compte zut. Un dimanche qui ne trouve libre de faire ses vœux tous les jours, il veut faire bon action. Il veut dire Coran. Quand va dire une émile, il veut faire namaz tahajjud. Namaz fajr fini, il veut faire dhikrullah. Ça dit Moula sur les fini, il veut faire des rakat namaz. Il veut dire sadaqa. Sa qualité de Moula, on peut dire al-muhsin. Un celui qui fait une bonne action et Allah compte sa qualité de Moula. Elle a qualité encore que Allah subhanahu wa ta'ala compte. Wallahu yuhibbu al-mutahhirin. Allah compte un démon qui garde le propre. Un démon qui pure, mais dire un démon qui garde le propre. Par exemple, je garde les cochons propres. Quand ça dit Moula, il vient à uriner les propres cochons. Pour qu'il urine, pas gagne le soleil, pas gagne le soleil go. Pour lui paraître le soleil go. Ça dit, mon là, les propres cochons, surtout quand il met une namaz, qu'il laisse, qu'il mettait propre, fait la transpiration, fait la carie. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comment t'as un petit monde qui garde son propre? Et un hadith qui trouve le muslim, une autre qualité encore, que Allah subhanahu wa ta'ala compte, rapporté par Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est-à-dire que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire, Allah compte le croyant qui pieux, qui est riche, et qui n'est pas montré. Il n'est pas montré du monde qui vient à la frayeur pour Allah. Il n'est pas montré du monde qui est bon du monde. Et là, c'est un du monde. Les faire un bon action pour les montrer du monde. Pour du monde, il y a ça, un bon du monde, ça. Il fait beaucoup de bon action. Allah subhanahu wa ta'ala, le commentaire est un du monde qui n'est pas montré. Les riches, il n'est pas montré du monde qui est riche. Pas fait tout du monde connaît qu'il est riche, il y en a beaucoup d'argent. Sa qualité du monde là, Allah subhanahu wa ta'ala, content. Une autre qualité encore qui Allah subhanahu wa ta'ala compte, c'est un démon qui est faux, un démon qui se lit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mu'min al-qawiyu khayru wa habbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Un croyant qui est faux, les plus meilleurs et les plus chers à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plusieurs définitions qui un savant vient donner. Concernant sa mot qu'il faut, un croyant qu'il faut. Est-ce qu'il faut ici veut dire sur l'écho, de sur l'écho, ou soit faux veut dire de sur l'imam. Et parmi les savants qui disent qu'un croyant qu'il faut ici peut référer à sa dimoun là sur l'imam, un croyant qui est un imam qu'il faut. Le plus meilleur qu'un croyant qui est un imam qui fait parmi la de Cheikh Oufaymin, Rahimahullah. Une autre qualité encore qui Allah subhanahu wa ta'ala compte, c'est nous comptons à cause Allah subhanahu wa ta'ala. Nous comptons du monde à cause Allah. Vous pas comptons lui à cause de mauvais bien fait avec lui. Vous avez quelque chose en retour avec lui. Vous comptons lui à cause il a beaucoup casse. Vous avez quelque chose en retour avec lui. Vous comptons lui à cause de place de la société, non. Quand on compte un ticket à cause Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah compte sa mandimun là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Tula Tabarani, Ibn Hanbal et Al-Hakim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit si dédimun compte un à l'autre à cause Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est lui qui se l'accomplit pour les plus chers à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vous plie pour nous. C'est le dédimon qui compte un à l'autre à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui se l'amour plus faux, c'est lui qui compte à son camarade plus qui. Le tlala, alors Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah compte en lui plus. Ça c'est concernant quelques, il y en a plusieurs encore, mais à cause des temps, on ne va pas manger tout.
Ça, c'est quelques qualités que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne dans un croyant. Bonne qualité qui amène l'amour, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, toujours concernant bonne qualité insan, alors Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, concernant un type de d'imoun concernant cette connaissance. Une première catégorie d'imoun, c'est un d'imoun qui lui accueille à la connaissance. Un d'imoun qui lui apprend et ensuite lui agit d'après ce qu'il finit apprendre d'après sa connaissance. Ça, c'est le premier type d'imoun. C'est un d'imoun qui, sa connaissance, se profite lui. Une deuxième catégorie du monde, c'est bah, du monde qui, malgré qu'ils se connaissent, ils ont la connaissance, ils ont connu la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, mais ils n'ont pas servi de connaissance. Ils ont connu la connaissance, ils ont connu la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, mais ils n'ont pas servi sa connaissance. Là. Alors, pareil, comme un juif, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, qui ban qui Allah se connaît nos yeux. Parce que, ça va être dans une église, une religion, pas exprès. Et dans la connaissance, je pense que c'est sa connaissance-là. Troisième, c'est Bandimoun qui est ignorant. Bandimoun qui peine dans la connaissance, ni de faire des efforts pour gagner la connaissance. Je préfère rester égaré. Je préfère rester égaré. Même qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, voilà d'allim. Dites-nous le chemin droit, surat al-ladin an'amta alayhim. Chemin du mal qui te fait bien se faire bien, غير المغضوب عليهم, pas chemin mal qui te collé à nos yeux, mal juif, voilà d'allim, des mal qui fait égaré, c'est-à-dire mal chrétien. Donc mal juif, mal qui fait bien connaissance, mais seulement ça va nous dire, là, je te connais, qui quitte chose qui est bon, qui quitte chose qui n'est pas bon, je ne passe rien de connaissance. Ça va la coller à la nos autres bandes juifs. Et troisième catégorie, c'est bandes qui sont égarées, bandes qui perdent la connaissance, ni de faire des efforts pour chercher la connaissance, bandes chrétiennes. Concernant mon type de bandes monde, concernant sa bande de monde là, de l'éclat, de sincérité. Première catégorie du monde maintenant, bandes de monde qui veulent l'intention de pure. Bandes de monde qui veulent allô, Allah, vous les soyez à la bouddhi. Faites allons Allah subhanahu wa ta'ala. Suivez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute action qu'ils ont fait, c'est pour faire Allah plaisir. Ça va dire là, comme Allah dit, faman kana yarju liqa'a rabbihi. C'est lui qui a l'espoir pour rejoindre Allah, fal ya'mal 'amalan saliha. Qu'il fait une bonne action, voilà, il yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Il ne va mettre aucun associé de l'ibadat qu'il fait à son Rabb. Encore une façon qu'un démon lui fait chier, qu'il n'a pas l'ibadette qu'il fait, c'est lui faire sa action-là pour un l'autre, autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre qui plaisir à Allah. Lui faire sa action-là pour un plaisir à démon, pour un titre avec démon, pour un honneur avec démon. Deuxième type, c'est Bankali des démons qui ne poursuivent pas Sunnah. Bankali des qui ne poursuivent pas Sunnah. Je ne peine aucune sincérité dans eux. C'est un démon qui veut faire une action pour montrer les gens du monde. Je suis content du monde. Je suis content d'un démon pour ce bon pour eux. Alors, ce démon là, Allah subhanahu wa ta'ala dit La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atahu. Pas penser qu'il manque qui réjouit à la quelque chose qui nous finit dans eux. Wa yuhibbuna an yuhmadu. Je suis content que le monde fasse un éloge, mais je ne fais pas. Pour voir quelque chose qu'il ne peut pas faire. Je suis content que le monde fasse un éloge, pour voir quelque chose qu'il ne peut pas faire. Allah dit Fala taqsamannahum bima fazat min al-adab. Pas penser que ça va être un monde là, je vais être épargné de punition. Voilà où adab un alim et de punition bien dire. Donc, la première catégorie du monde, concernant la sincérité, c'est un démon qui lui fait une action sincèrement pour Allah plaisir. Il fait une action là d'après le principe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète vient enseigner. Deuxième catégorie du monde, il fait une action pour montrer les gens du monde. Il fait une action là, pas comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient enseigner. Troisième,
C'est même des gens qui font une action avec ikhlas, avec sincérité. Vous faites action là, vous avez l'intention pour vous faire le plaisir, mais seulement vous n'êtes pas fait d'après le principe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'êtes pas fait d'après le principe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, un démon lui dit aujourd'hui, je vais faire la masse des chats 10 rakats, je suis fatigué. Je vais faire la masse des chats 10 rakats. C'est un démon là, sous l'intention, il peut faire sa masse, il fait la plaisir. Mais seulement, les mêmes faits comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Le prophète fait enseigner, nous fait la masse des chats 4 rakats. Et un quatrième, c'est un démon. Qui de faire une action d'après-midi, mais seulement de mort sincérité. Ou bien, il y a des gens qui la guerre le chemin à Allah, pour être type de brave. Il y a des gens qui font une action pour nous finir, pour gagner le lien avec des gens. Pour des gens qui sont généreux, les commandants, les pensent aux gens pauvres, etc. Donc, c'est des gens. Qui, ça va dire que là, je te fais pour action, mais seulement je te mets en champ, c'est pour gagner le lien, pour gagner un titre avec des mondes. Et l'autre type de démon encore, des insans qui m'ont dit, c'est concernant de la place de l'Akhirat. Première catégorie du monde, il y a un qui vous plie prêt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va là de pour errer, je prie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Un bon parti du monde là-dedans pour ban qui avant, ban qui fait vivre avant et qui guide ma génération qui fait venir après qui fait en passer cela. Ça c'est ban meilleur type de du monde de paradis. Ban qui fait faire tout ce qui Allah fait dans notre monde, de faire abandonner tout ce qui Allah fait défendre. Ça ban du monde là alors notre place de l'akhirat se pourrait être plus 3 degrés de paradis. Ensuite, on a Ashab al-Yamin, Mandimoun de la main droite. Ça va dire là, un bon parti pour la génération avant, et aussi un bon parti pour la génération après. Ça va dire là, c'est Mandimoun qui vient faire tout ce qui Allah fait dans notre monde. Donc, il reste noir avec ce qui Allah fait défendre. Mais seulement, il y a certains péchés qu'ils ont fait commettre. Et dans certains péchés de fin commettre, Allah subhanahu wa ta'ala fait pour nous. Troisième, on a Ashab al-Shimal, c'est sa man là, c'est man qui fait faire ce qui Allah fait défendre, et sa man qui fait la place, c'est dans l'enfer. Ça, c'était concernant une explication concernant caractéristiques insanes qui, à travers ces quatre sessions-là, donc, nous venons apprendre concernant nous-mêmes, nous insanes, nous venons apprendre concernant nous. Alors, ma qualité négative qui est une bonne qualité qui Allah subhanahu wa ta'ala compte dans l'insan, nous venons apprendre concernant plusieurs types de l'insan qui peuvent vivre au salatéla, musulmans, kafirs, hypocrites, et quand nous lisons le Coran, nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Robin al-Nas, parmi les gens qui fait telle chose, qui a telle qualité. Donc, tout ça là, c'est concernant caractéristiques insan. Alors, inshallah, ça va l'explication à l'aide-nous, à l'aide. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه